Téléspectateurs, téléspectatrices Télécaramel, moi c'est Winchel Jean-Baptiste qui souhaite vous bienvenue dans l'émission très spéciale ça que nous connaissons organisée sur ton série d'émissions pendant que nous connaissons le coronavirus a propagé à travers tout le pays. Donc il est important pour nous-mêmes au niveau des médias, nous dédier de l'aide spéciale à motivation, à prévention pour que nous soyons capables de gagner donc, un comportement rationnel de la part de Zami Nouyo qui branche nous, que ce soit au niveau de la ville de Kay, que ce soit au niveau de l'autre région dans le pays. Donc, sous antenne radio Télécaramel, nous avons différents spécialistes qui défilent. Aujourd'hui, c'est avec un peu de plaisir que nous allons recevoir un spécialiste dans le domaine santé publique. Souvent en Haïti, il est très difficile pour que nous fassions décantation ça entre le savant et le politique, gens que Max Weber dit. Jodia nous pral plus parler avec le savant, l'homme de science qui est Reginald Boulos. Avec lui, nous allons essayer de comprendre comment que l'État haïtien capable yo même faire management là pour empêcher que gagne plus propagation de maladies ça que nous connaît bien qui c'est coronavirus qui a et fait un pile dégâts à travers le monde là, surtout dans les pays européens, encore en Amérique du Nord, en particulier les États-Unis. Nous avons donc dernière image qui est vraiment alarmante. Donc, avec Reginald Boulos, nous allons essayer de comprendre qui ça l'État capable de prendre en termes de mesures pour empêcher que le coronavirus là lui-même continue à propager dans le pays. Reginald Boulos, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Michel. C'est pour moi un grand plaisir pour m'avoir nous à soir. J'espère que nous recevons bien et que des biens internet là bon. Et saluer tout auditeur Caramel et sous chaîne télévision ou bien sous live ou tout côté m'a rentré la caïnon avec plaisir pour nous parler de coronavirus épidémie. M'a aussi et remercier Wenchel et remercier Télécaramel parce que nous fait des émissions et d'informer population en plus. Ben, c'est une très belle initiative. Compliment, encore une fois, bonsoir. Merci, Dr. Boulos. Enfin, Dr. Boulos, en tant que spécialiste dans la question santé publique, et d'abord, nous-mêmes, une thèse que nous avons développée là, nous dit que le coronavirus sont maladies concernant la santé publique, mais manage maintenant politique. Est-ce que selon même le gouvernement haïtien, et lui-même, il est parti bien pour bien gérer et pour empêcher que le coronavirus propage davantage dans le pays. Alors, ma professeur Dia, pour bonne réponse, je dis son problème de santé publique, le management politique, le management politique, économique. Et c'est d'abord, avant tout, une approche sanitaire pour nous garder, mais par rapport à un plein maladie à gagner, nous pas capable parler de politique, pas parler de économie. Donc, et moi quoi que n'a pas salué le fait que quand même le gouvernement a montré que il prend maladie au sérieux. Dès le premier jour, le président de la République a montré que il est convaincu du problème sérieux lié et ouais de temps en temps il fait une presse, les mesures qu'il prend que je pense qu'il est très positif, ces mesures telles que ramener au lieu l'école, c'est un gros centre de transmission éteignée et déclaré couvre-feu dans tout le pays et quelque part annoncé un cycle de mesures économiques qui est très important et demander aux séries d'employés pour le travail 50% à 50% de personnel. Tout ça, ce sont des bonnes approches. Et par contre, moi, je pensais, sous base de ça, qu'il y a des bagages qui sont trop faits. Et je ne pas quoi que. C'est vrai, j'ai été convaincu que je peut-être pas bien au plan qui vient pour parler de ça, au fur et à mesure, il y a bien avec. Alors, je voudrais m'approcher d'abord sur trois niveaux. D'abord, le médecin. Parce qu'on vient de dire, moi, je suis médecin, épidémiologiste, c'est ça, j'ai étudié, ça me fait 14 ans de travail. Cité Soleil, la santé communautaire, la santé publique. Moi, je crois que l'approche santé publique, là, moi, j'ai un petit problème avec lui. Il y a trois types de réactions que pays en général. Il y a des mélanges de tous les trois, mais ma PC est catégorisée.
Le premier, c'est la réaction de la Chine qui est fermée carrément toute zone. Pour la première fois dans l'histoire du monde, ils ont fermé 54 millions de monde, la caillou, ils ont porté manger pour eux, médicaments pour eux, si ils sont malades, ambulance à chercher, ils ont construit 10 jours, je veux dire, tellement pas de malades encore, l'hôpital, ça va fermer. Par quoi nous avons cité pour nous faire ça? Nous n'avons pas ni l'armée que Chinois a gagné, nous n'avons pas ni la Chinois a gagné, nous n'avons pas l'argent que Chinois a gagné, nous n'avons pas logistique que Chinois a gagné. Deuxième approche, là, c'est l'approche occidentale, si dit, qui, quelque part, c'est l'approche de l'Europe et des États-Unis, mais qui a un petit peu été, comme qu'a dit, indécis. C'est-à-dire, il a annoncé confinement total, il a annoncé qu'on met des mounions, pas mettre des masques, il n'y a pas de assez de tests pour faire des tests généraux dans le pays. Et il mettait dans la tête que le système de santé, l'hôpital, le centre de santé, qui était quand même des systèmes développés, capable de répondre à des demandes. Bon, aux États-Unis, comme c'est vrai que son bataille fait comme ça, ils ont commencé à changer, ils ont commencé à parler de plus de tests et de masques. Et puis, il y a ma approche là, je voulais l'approche asiatique. Ces pays comme Taïwan, Corée du Sud, Singapour, et qui pas fait, il y a Hong Kong, qui pas fait, mais pays, il y a. Mais qui te fait deux bagages essentiels. Un test dépistage massif. La Corée du Sud, c'est un plus bel exemple parce qu'en moins de 15 jours, la Corée du Sud fait 270 000 tests pour une population de 54 millions d'habitants. Et deuxième bagage qui est fait, nous sommes capables d'être la caillou, mais si vous faites, on ne peut pas devoir sortir sans masque. Ça veut dire que le port du masque, le port du cache-nez, pour les institutions, était obligatoire. Et qui ça veut dire? Nous voyons que c'est pays qui réduit la mortalité à juste. Donc, moi-même, analyse à niveau de ça, au moins des choses. Système de santé noire, c'est le plus mauvais qu'il y a dans l'Amérique. Nous avons 0,7 carbone par 1 000 habitants en Haïti. Et carbone, ça veut pas un magasin, c'est le plus petit taux d'Amérique, de toute l'Amérique. Pour moi, des chiffres, qu'une bague est 5,2 carbone. Et la République dominicaine, États-Unis, il y a 3,4. Nous gagnons 0,7. Donc, c'est le pays qui est moins carbone, l'hôpital parmi la ville. Donc, approche médicale, approche curative, il va beaucoup. Deuxièmement, économiquement, pays nous, pays nous, nous vivons au jour le jour. Au CAI, on a vu au CAI. Est-ce qu'on pense qu'on a fermé pour nous? En dans la CAI, on ne va rien se faire. On ne va rien qu'à côté manger. Donc, c'est-à-dire, si Donc, vous me comprenez, on finit avec ça. confinement n'est pas appliqué dans la réalité haïtienne. Le confinement total, par exemple, même le confinement sélectif, ça veut dire. Ça veut dire encourager au maximum de possible sous carré de la caille et qu'on a besoin de manger de la caille. Docteur Et Boulos, qu'on pas docteur Boulos, obligé. oui, vous avez fait avancer plus près du microphone non? Et nous nous tenons loin. Vous avez mieux que rien. Oui, ok, oui. Vous avez mieux que rien. Oui, ça va. Ok. On dit que sous t'es capable, sous capable de travailler. On m'a pas demandé d'avoir, on m'a fait interview ça, c'est de la canne on a fait l'avoir. Et puis on qui sont très rarement parce que je suis capable. Et sous pas capable, sous son monde qu'on sait au jour le jour, obligé de sortir. Un peu de possible. Suivre l'exigène de Bayou et mettre des masques. Alors c'est là que je viens avec ça, on dit que le gouvernement, on a commandé 18 millions de dollars matériels. On a des masques qui sont commandés, on a des produits de ça du faire pour le masque obligatoire, mais bah, bravo, mais quantité de masques que tu as déjà, alors prise de masques. C'est-à-dire que m'estimer, c'est dans des millions de masques que tu as commandés, donc capable de distribuer. On m'explique comment ça va se faire. Non, mais est-ce qu'on pensait que l'eau si facile pour faire que tout haïtien, je veux dire là, porte des masques? On pensait que sous le masque, on n'a pas suicidaire. Haïtien pas suicidaire.
Si vous avez une option masse, vous pouvez vous côté, vous pouvez vous l'autre machin dans la machine, vous pouvez vous faire une réalisation. C'est-à-dire, vous imaginez que dans toute machine, vous avez 3000 agents de santé, polyvalents, dans le ministère de la Justice, nous avons formé une station de population, et aussi dépistage des cas possibles suspects. Et ça, c'est le troisième après la paléa. Il faut qu'on fasse dépistage dans tout le pays. Ce n'est pas acceptable que 10 jours après, nous tous fassent côté que son seul côté qui casse un pays. L'homme, on se dit au cas où on va marcher dans les provinces, on va carrer le laboratoire de la si c'est une infection communale, on donc, oh. Il dit prélèvement fait, au niveau départemental, il y a cheminé dans le laboratoire national. Oui, mais est-ce que je dis à garder ça privé et mais c'est j'en donne ou pas j'en donne. Le tout c'est le cas, mais 10 cas, c'est pas trop facile. Donc, pour être prédominant, qu'est-ce qu'a fait, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a avant, il y a parlé sur la DER et côté que nous souffrons. Le République dominicaine, il y a 1244 cas, il y a 57 qui ont été mouru. Quand j'ai interviewé le journaliste, il dit, dans deux dernières semaines, il y a 2000 haïtiens sortis de République dominicaine qui traversaient Belader. Est-ce qu'on ne peut pas penser aujourd'hui, si dans Belader, peut-être, il y a plus de 16 cas qui l'a tué. Donc, quelque part, il faut être fort de faire des pistages. Pas une raison que nous pas qu'à faire toute la boîte, tout donc, l'hôpital. Est-ce que c'est aussi facile pour que actuellement là nous faisons un dépistage systématique dans le pays? Est-ce qu'il y a assez de tests qui sont disponibles pour ça? Est-ce que l'État a les moyens de sa politique? Et d'estimer que nous faisons 60 000 tests. 60 000 tests à coûter nous à peu près. Incluant matériel pour extraction. Là, coûtez-nous à peu près 3 000 $. 3 000 dollars. Je dis nous, sommes commandés pour 18 millions de dollars matériel. Je dis nous que la bide autorisée est tirée jusqu'à 50 millions de dollars. Je dis nous, dégager 550 millions de coûts dans le budget, ça fait 55 millions de dollars. Donc, ça veut dire qu'il y a 105 millions de dollars. Ça voudrait dire que pour 3 000, 60 millions de dollars, nous avons besoin de 3 millions de dollars sur 150 millions de dollars. Moi, je crois que les bagages, quand même, ça défend vous que de commander un pile respirateur pour appareil de réanimation. C'est un docteur qui a parlé tout à l'heure sur la radio. De ça, me connaît, pour faire appareil de marché, nous avons besoin de 8 personnels qualifiés pour faire appareil. Ça dit, il faut une formée. Moi, je déterminé. Pardon? Il faut une formée. Mais ça veut dire que le plus facile, d'après moi, pour nous faire des dépistages massifs là, que nous former tout le monde pour l'espoir. Le plus facile. Parce que son utilisation très, très bien. On ne peut pas former tout le monde. Nous avons un bon jeune médecin qui est sur Cuba, qui n'est pas pour rien, je dis là. Nous allons après tout former dans l'extraction pour l'échantillon. Et je dis à un autre test qui permet si difficilement pour l'échantillon. On cherche, on a du Sud, on a le cas d'amis au Taïwan, on a la Chine. On cherche, qui monde qui t'a offert, mais peut-être rapidement. Ça fait. Depuis stage systématique. Donc, c'est-à-dire, si je comprends, Dr. Boulos, c'est que selon même 16 cas que le gouvernement a parlé là, c'est une face apparente. La réalité, c'est que des possibilités pour avoir différents cas. À travers tout le pays, que nous ne connaissons pas. Le ministre lui-même, il connaît que plus que 16 cas dans le pays. Il n'y a pas aucun doute là, quand même, que nous n'avons pas moins de cas que la République dominicaine. Parce que nous voyons une migration par et d'autres entre nous et la République dominicaine. Nous sommes île. Pas de raison quand le virus attaque, on est côté frontière. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Donc, moi-même, par rapport à la condition de la vie, condition d'insalubrité, non, condition de vie très dense, nous gagnons. L'on prend les bidonvilles de Port-au-Prince et des grandes villes.
5, 6, 7 mois à vivre en dans la caillou, moi persuadé que nous gagnons beaucoup plus de là et n'a fait la politique de l'autruche, n'a pas mettre tête nous dans sable, nous pas l'accepter, nous peut-être pas aller aussi loin. Même ta gagnoir imputer que nous peut-être pas aller faire trop de tests pour ne pas chercher, mais la vérité va nous rattraper parce que le monde va commencer à mourir et le monde commence à mourir. Ou elle dans des rels, quand ma courelle. Donc, moi, encore suggérer très rapidement à président Jovenel, à premier ministre, à toute équipe gouvernement, pour nous former un gros comité national, à l'instar de ça a été fait dans la première constitution et dans CEPA, qui représente tous les secteurs publics, secteurs privés, syndicats et religions, l'anti-religion, l'église catholique, l'église protestante, vaudouiste, enseignants, femmes, de l'association médicale, en font gros rouler ensemble. Et comité ça a remettre les responsabilités des grandes recommandations au gouvernement, qui, je tiens, résumé à seulement la partie comité, qui font un sous-comité de conseil national à Poutaillé, de comité national là, de façon à ce que, comme journaliste, à travers sa question, on est voir autour de ça qu'a fait. Je dis à gouvernement. Avant même que de venir l'aspect politique là, on est retourné sur l'aspect technique là. Non, pas de parler de la politique, sur l'aspect technique. Alors quand même, les gens démarchent là-dedans, on connaît bien que l'autorité politique est souvent en période de crise. Lorsqu'il est affaibli, ça va permettre qu'il monte dans les sondages. Nous avons le cas de la France, nous avons Emmanuel Macron qui était très affaibli de nos jours à cause de la question coronavirus. Ça fait l'augmenter dans les sondages parce qu'il paraît plus comme seul monde qui a géré le pays. L'opposition n'est pas capable de faire aucun mouvement anti parce que nous avons une période de crise. Donc en général, ils ont exploité le moment de crise et pour faire du rattrapage sur le plan politique. Donc, et est-ce que vous pensez que, et, parce que nous avons en pile et interview que des médias fait avec la population, surtout marchand qui vont manger, gagner motocyclette et chauffeur motocyclette taxi, pour nous, c'est comme si le coronavirus là son bagage imaginaire que lié et que li pas en Haïti, li pas en Haïti et même si en Haïti. Et c'est comme si la vision magico-religieuse du monde fait que n'y a pas victime de ça. Est-ce qu'on ne pense pas que là, un risque très profond en Haïti par rapport à la perception que nous avons par rapport à la science qui est capable et un obstacle à une véritable politique de communication et en matière de prévention? Alors, retournez à la police encore. Mm-hmm. Parce que quelque part, c'est vrai que la population ne tient pas. Son seul gens qui a fait confiance, c'est le site extérieur. Si le pasteur rentre dans la sur ça, si le père rentre là-dedans, si le enseignant rentre là-dedans, si le professeur rentre là-dedans, si le comité paysan y a des gens qui représentent tout, puis vous portez le message là-dedans. Je dis à le sélecteur seulement, et vous sautez un bagaille, l'ibol n'est pas toujours vrai. Vous dites, et nous, est que Macron a augmenté dans son sondage par rapport au fait que l'opposition pas qu'à attaquer. Et donné que nous gagnons actuellement tout, c'est que grand pile monde qui pensait Donald Trump qui a perdu l'élection par rapport à et coronavirus, puisque lui-même sait que qu'a gagné 100 000 à 250 000 monde mourir dans le pays d'Afounia et fin année. Donc, en général, je suis d'accord, je pensais que Jodia, le moment est à la trêve politique. Vous connaissez, en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis. En politique, il y a des alliés, des adversaires. Il y a des adversaires en camp politique, de même qu'adversaires liés encore. Aujourd'hui, nous sommes tous politiquement des alliés dans la lutte contre le coronavirus. Donc, nous alliés pour nous sauver la population haïtienne. Non? Donc, ou bien raison, on leur dit que aujourd'hui, c'est l'heure de la trêve politique. La Louvoir, elle se faisait hier, l'ICAP encore, mais pas qu'à fait jeudi, hein, sous tête peuple haïtien, sous tête coronavirus. Donc, moi-même, personnellement, comme leader politique, tout en même temps, je tends la main à tout le monde qui a un pouvoir politique, mais personnellement, je téléphone, moi, je l'ai pour un jour, que par contre, pour jusqu'à présent, par contre, figure, elle dit, bah, j'ai un problème, je vais me figurer dans la télévision. Je l'ai dit, pour
c'est que préventive que nous pas prendre assez fortement et m'ta souhaité qu'un voix dans chapitre tout et m'ta souhaité entendre tout le monde et l'homme dit ça au chef d'armes moi qu'on a humilité ça va dire tout ça me dit jodi c'est ça même qu'à chita avant qu'à chita dans le monde et puis nous qu'à fond débat le nous fait débat nous arrivons en solution pour que certaines idées pas vous passer, certaines idées d'examen à passer, certaines idées de l'homme qui va passer, certaines idées de l'homme, les hommes vont se passer, et nous arrivons à voir qui s'applique moi pour le passer. Ok, mais est-ce qu'on va réussir là pour que le pouvoir politique a dit bon, mais t'as demandé un comité scientifique, il y a un comité scientifique, il y a seulement il y a attendu les propositions de ce comité scientifique, donc les autres conseils ne sont pas nécessairement les bienvenus. Mon cher, je suis un membre du comité scientifique. C'est le président de Bicou qui joue, qui est là pour parler de scientifique. Il me dit que je joue, pas fin de comprendre le comité scientifique là, mais si vous voulez un comité scientifique, son sous-comité, son sous-comité dans le comité national. Le comité scientifique là, c'est médecin général, l'aspect économique des papes, et l'aspect socio-économique, et l'aspect anthropologique des choses. Ethnologique des choses. Il faut comprendre le comportement humain haïtien. Qui est bon, où sont-ils? Qui croit que c'est magique ou religieux? Donc, il faut qu'on ait comme un fait message là. La population croit dans nos vêtements. Donc, si nous avons dit un bagage et puis nous pas clé, et nous ne pas porter du corps, imaginons qu'on a dit machin, il faut le mettre et le cacher. Mais le bagage, il cache. Moi-même, personnellement, je ne peux pas dire que le cacher est un bagage. Donc, nous avons dit côté machin dans la donc, il faut le mettre disponible, même si c'est un bon de vendre, même si c'est 50 fois de vendre. Mais 40 jours, nous avons acheté, nous avons acheté. Mais 40 jours, tout que, même qu'on est mon cap, même qu'on est mon cap, qui fait tout effort pour décharger un test, je dis, il n'y a pas qu'à faire test. Je dis, c'est 1500 tests seulement. Si on a 1500 tests seulement, ça veut dire qu'il y aurait des 1100 tests. Donc tout ceci rentre dans une stratégie globale, une stratégie qui nous prend aspect. Chaque population en vue là, qui nous transforme en un bagage positif pour comment nous attaquer le coronavirus. Ok, gouvernement dit, et surtout à travers le ministère de la Santé publique, hier moi j'ai réalisé une interview avec le directeur départemental là, c'est sûr que et la parole du directeur départemental, c'est la parole du ministère, lui faire comprendre que si tu as gagné effectivement des cas de coronavirus, gens que des mauvaises langues éventuellement t'as fait comprendre, ni, et nous t'as poil. Donc dans le quartier, nous t'as attendu, nous t'as dénoncé de monde, et parce que c'est le monde qui a coronavirus, la caillou, etc. Donc, chiffre que le gouvernement bail là, à savoir 16 cas, c'est la vérité, pas de plus que ça. Ah, regarde ça, il m'a foutu pour le gouvernement. Il n'a pas prouvé ça scientifiquement. Ouais, ça a fait là, c'était même. Elle dit que les premiers cas qui paraissent dans l'homme, ils ne voient pas rien tout cas. Donald Trump, t'es relé le black. Donald Trump, t'es relé le son black. Soit même le complot démocrate que tu fais, tu le casais. C'est ça le détruit. Je vous dis, je dois parler dans l'homme. Moi, je souhaite que tu pèches des bâtons dans l'homme. Dans l'homme, vous savez, dans l'homme. Parce que moi, je ne sais pas. Il y a une mission carrément. Il fait peut-être une semaine, moins de 15 jours. Pourquoi il fait? Il fait même deux semaines à 5. Et puis, subitement, au fur et à mesure que le test qu'il a développé, ouais, il fonctionne. Pour le directeur de département de la carrément, il faut avoir le cas que le test disponible dans tout le pays. De capacité de prélèvement disponible dans le là, même en aujourd'hui, à combien de monde dans le département du Sud, là, au Kaila, qui vient de aller dans la commune département du Sud, là, pour aller faire prélèvement pour le monde. Qui moyen de transport gagne? Qui équipement gagne? Donc, moi, je crois que c'est un monde qui nous est dit, qui persuade de ces 16 cas, c'est ne pas faire. Ne pas suivre le courbe épidémiologique de tous les pays au monde, quelque part nous avons avantage. Dans le pays qui a déjà fait expérience, nous ne pouvons pas faire même erreur.
seul Dieu et les imbéciles ne cherchent pas. Si nous étions nous refaire, même ouais, tout notre pays à faire, eh bien nous sommes, et je suis parti de ça, nous sommes des imbéciles. Et est-ce qu'on pense qu'il y a une particularité? Parce que, et on dirait que le gouvernement a quitté Bagalabralé, parce que n'a pas gardé le président de la République là, et qui fait des déclarations, côté que l'invité des officiels, dans les niveaux les plus élevés. Et non, on a un peu théâtral, côté que la palette de ça qui est comme budget. Est-ce qu'on pense que ensemble de pratiques ça a contribué à renforcer d'autres populations gagnées et non pas quoi? Parole politique et en ce qui a trait à question coronavirus. Michel, bonjour. Et je dis à, n'est pas l'heure de la critique. C'est l'heure de la construction positive. C'est pas tout le gouvernement fait, qui a bien fait, et il faudra accepter ça. Il a fait face à une difficulté énorme devant eux. Donc, moi-même, pas pour entrer dans critiquer la prochaine présidente. Faire conférence de presse ou autre, moi je crois que ça qui est important, c'est que nous sommes capables de parler une clôture. Et pour nous capables de dire, on a changé ou on a amélioré, bon, on va même dire changer, on a amélioré la stratégie, nous. On a amélioré la stratégie, nous, mais on a même fait des millions. Oui, on a réalisé que c'était peut-être nécessaire tout de suite. On ne peut pas dire, on ne peut pas faire 60 000 personnes pour mettre au chômage ou pas de capacité pour payer les salaires. Pour qui ça pourrait le gaspiller comme ça, ou qu'a fait notre bagaille, ou qu'a fait que usine ça ou établi des protocoles pour eux, un protocole pour mon yo vin dans le travail, une distance pour mon yo réserve le travail là, si c'est la coude, ou qu'a décidé, une machine vide, chaque machine capable de faire une distance là, ou qu'a fait mon yo mettre pied dans l'eau, pleurer avant d'entrer, ou bien préparer pour ça avant d'entrer, ou nettoyer chez Philippe, ou qu'a pris température, et si il y a la fièvre, on voit le premier langage, on paye le journée, mais ce n'est pas le faire de la fièvre. Et ça n'a pas qu'à gêner d'être dans cette privée. Donc, pour être avec le café, pour que vous ayez une vie économique, dans le cas où marché, l'officier sanitaire, docteur départemental, faut je dire qu'il est capable de parler assez de base pour que lui-même, à travers l'officier sanitaire, à travers le staff santé publique, tout le monde dans marché, le côté masse là, et je dis encore une fois, il n'y a pas de temps. Il y a beaucoup plus que 16 là, il n'y a pas de tout là-dessus. Et j'en veux là, sous point ça, parce que sous point ça, le gouvernement Gal dit que le Gatagon avance parce que le Premier ministre a annoncé que il fait un ensemble de commandes de masse et que dans les jours à venir, masse là pour un bagage qui est obligatoire. Mais je m'applaudis, mais je n'ai pas de lutte qui m'a dit là avant, qui m'a dit après. Tout ça, le gouvernement, on n'a pas oublié. Et l'un des premiers ministres, je dis dit voilà, c'est que entre ça, si on a des premiers ministres, que vous allez le faire, vous allez faire des décisions, que des dépistages qu'on a fait à travers le pays. Après, ma propre moins anxieux, ma propre moins inquiète, ma claire et ma pas de bravo. En tant que leader politique, il y a une responsabilité que nous sommes un peu honnêtes. Si vous m'avez fait bon bagage, je vous dis que c'est bon. Mais d'où, ma message, je vous ai dit que je ne peux pas rentrer là aujourd'hui quand vous voulez critiquer. Nous ne pas rentrer là pour nous prouver à ce personnel. Nous venons avec des idées. Au fur et à mesure que nous prenons des idées, ça va prendre ça va prendre qui doit comprendre le cas. Nous m'a toujours défendre point de vue épidémiologique que hier. Et par rapport à ce que vous faites dans le monde entier, que les approches aujourd'hui qui sont les meilleures voies ici, c'est le confinement sélectif, c'est la distribution d'aliments aux populations défavorisées, c'est le dépistage systématique, c'est la distribution à toute la population en tout temps, c'est la transformation des écoles, toutes les écoles publiques fermées, au centre de quarantaine, au monde qui contacte, le monde qui arrive à l'infecter, et transformer l'hôpital, le pavillon,
aménager. Parce chaque hôpital départemental, on est tout le là. Pour améliorer, nous pas du tout pour hospitaliser. Nous qui sommes malades, nous sommes il y a à peu près 20% qui sont malades, il y a peut-être 10% qui sont malades en pile, et dans 10%, ça a bien gagné. Ok, est-ce que proposition ça, ensemble de proposition ça, yo seulement dit dans la radio, dans l'interview qu'on fait et dans les médias globalement, ou du moins, yo formalisé et que vous faites de contact avec les autorités et dans les niveaux les plus élevés pour discuter autour de vous. Bon, du coup, le ministre, c'est le plus haut niveau du gouvernement. Ma carrière est l'autre, mais pas la même, c'est pas l'initiative que nous avons fait tout ça. Effectivement, il y a des gens qui ont un document à préparer, qui m'a sorti, qui m'a voulu sous forme d'une lettre publique, okay, avec des propositions bien faites. Mais écoutez, le nouvel ministre a ouvert mes propositions. Et Juno 7 reprend mon position de toute manière. Même si je ne suis pas en train de me faire je crois que le nouvel ministre fait une retranscription très fidèle des propositions. Donc, aujourd'hui, là, je me répète, ce n'est pas une question que, encore une fois, nous ne sommes pas dans une lutte d'ego. Nous ne sommes pas dans une recherche de crédibilité. Nous ne sommes pas dans une recherche de c'est moi qui ai raison. En fait, à la raison. Da souhaiter c'est vraiment 16 qui a gagné. Da souhaiter que tout samedi, faire bien, il va arriver. Mais, connaissance scientifiquement fait que, persuader que, il y a des bagages qui ne sont pas faits. Plus tard, on a pris l'envoi. Bon. Et est-ce que nous-mêmes, nous gagnons, par exemple, nous-mêmes qui dans le secteur privé, par exemple, est-ce que les initiatives que nous prenons à côté du gouvernement, et parce que je dis à la par le fait que l'État faible, ou gagne des côtés société civile organisée, par exemple, dans la ville de Caïmoi, qui gagne des séries d'activités que société civile a essayé d'entreprendre, est-ce que le secteur privé haïtien, conscient de danger ça qui menace Haïti, gagne des actions concertées qu'a faites, et mis à part du gouvernement, pour que nous capables, soignants et prévention, soit dans montée de structure et d'accueil, éventuellement si tu as des monde qui contaminé pour recevoir. Très bien, belle question. Et bonjour. Premièrement, comme quand tu vas le personnel, nous avons une fondation qui est la fondation régionale de l'OS et nous avons trois types d'actions. Depuis le début du mois de mars, chaque vendredi, nous sortons une capsule vidéo et audio avec des messages, et qui ça nous fait, comme nous sommes un groupe qui grandit publicité dans la radio, nous transformons tout le contrat nous gagnons dans la radio et la télévision, nous prenons le spot nous gagnons, pour nous délimat, pour Autoplaza, nous retirons, nous remplacer par spot que la formation, vulgarisation pour la population. Deuxième, ça nous fait, Fondation Régionale Boulos, et sont distribués. Mais à date, nous avons distribué près de plus de 20 000 sanitizers à travers des petits flacons qui sont sur la Fondation Régionale de l'Ouest, mais qui sont sur tout le flacon de la Fondation Régionale de l'Ouest. J'ai demandé aux populations de l'Ouest, si le joint de la dent, assurez que c'est marqué la chaîne, est-ce que c'est carré. Nous avons des personnes bonnes. Troisième bagarre à faire, nous avons actuellement construit dans Pidonville, Port-au-Prince, Cité Soleil, Canaan, Bel Air, et dans Zone Cafoufeuille, des châteaux d'eau de 1200 gallons chaque année. Les châteaux d'eau, ça y est, Fondation, pour la disposition de l'eau chaque matin. Donc, il y a toujours de l'eau, nous espacer tuyaux, nous mettons de l'eau, chaque château d'eau, il y a 4 tuyaux, pour nous capables de la population dans la zone, l'eau que nous avons. Parce que si nous avons un message, lavez-moi, on est capable de tout venir avec toi là-dessus. Et on a envie le cap, on a fait un projet pilote avec des petits châteaux de 200 gallons. Donc, il y a 5 petits châteaux de 200 gallons qu'on a construit, semaine ça, pour que, et en même temps, on a rempli de l'eau régulièrement, deux à trois fois par semaine. Maintenant, du point de vue institutionnel, ministère de Santé publique avec et Centre Gessio, qui c'est Centre Docteur Papla, que vous connaissez son personnalité connue, qui t'a réussi, ben, un gros coup de main à faire sida, qui t'a réussi pour un leadership, problème choléra, eh bien, on te soumet ton projet pour le capable d'acheter 2000 tests et pour le capable d'aménager 30 cabanes
et l'hôpital. Projet à son projet 200 000 $, eh bien, dealer automobile, yo, mettez ensemble, et nous-mêmes, nous avons deux compagnies parmi 10 compagnies, yo, nous mettez ensemble et nous déjà remettre Dr. Pa pour 80 000 $ américains depuis hier pour que nous, pour nous supporter ça. On peut parler avec d'autres organisations du secteur privé pour complémenter et comme la chercher, et d'après ça, me connaît, fin joindre Rescope 200 000 $. Parallèlement, nous avons de l'autre côté, nous avons clinique Bernard Meuse, nous avons l'hôpital de Mirebalais et l'hôpital universitaire de Mirebalais qui soumettent à l'association des demandes, nous avons étudié tout pour nous porter une partition. C'est un exemple. Attends, est-ce que c'est à titre individuel ou du moins c'est Non, non. C'est le secteur l'association, haïtien ou la fondation? l'association des importateurs de véhicules à moteur. Ok, donc Son c'est-à-dire association. c'est pas le personnage de Réginald Boulos en avant. Non, non, non. Moi, membre là-dedans, moi, sous 10 dealers, il y a 2 dealers. Donc, représenter 20% là-dedans, c'est une capacité. Mais, son initiative collective, son initiative institutionnelle, son initiative association secteur. C'est pas Réginald Boulos. Et pas moi, d'un pas président de l'association, pas même pour le comité, et encourager le tout, mais participer dans la décision. Et moi, je son exemple que ce soit un public, même je dis à mon document a sorti, destiné au public, c'est ça encourager tout le temps. Je connais le chef à fond de demande pour les membres pour être capable de plus tester. Je connais que Adi a travaillé pour que et Factorio est capable de fabriquer en Haïti. Des cachets parce que nous bien donc ça voilà c'est que en un pays d'Haïti nous bien des indications des États-Unis je dis à un problème de maillot j'ai l'impression que c'est pas fini. Ok, alors oui, alors bon aspect qui est important en général. Alors, que ce soit gouvernement ou bien mon secteur privé qui a parlé de Haïti, il y a toujours Port-au-Prince et peut-être les chefs-lieux des départements. Donc, les sections communales, ça, on monte comme Gérard Batel-Mirel et le pays en dehors, toujours exclu dans toute politique et sociale que gouvernement ou bien secteur privé a voulu faire dans le cadre de l'action sur le plan social, il y a PCF. Fait. Or, que c'est des Haïtiens comme tout le monde. Je dis à là, par rapport à la question du coronavirus, là, nous-mêmes dans le secteur privé, c'est sûr que nous avons annoncé des démarches que nous avons essayé d'entreprendre, des actions que nous avons essayé de faire. Est-ce que nous avons travaillé tout pour que le pays en dehors soit capable de même toucher par rapport à ça? Parce que si nous faisons prévention dans la ville et que nous même touchés, c'est comme si pas vraiment ça apporte efficacité. Parce que nous même tout, nous avons des éléments qui peuvent contaminer pour la suite. Malheureusement, on dirait qu'on a des problèmes techniques et Internet. Donc, comme on a suivi là, donc nous avons réalisé une interview avec le docteur Réginald Boulos et qui est même à parler avec nous depuis Port-au-Prince. Et donc, tu as semblé qu'on a des problèmes Internet parce qu'on a Internet de très mauvaise qualité en Haïti et fait que les liaisons sont souvent compliquées. Donc, dans la zone par là, donc on dirait que grand problème, c'est pas de notre côté ici à Caramel. Donc la liaison, enfin la connexion internet, il semble que les petits gens pas bon. Donc il est de retour, oui, et docteur Boulos est de retour. Oui, alors? Oui, alors? Oui, alors? Donc, un petit problème de communication. Donc, comme nous disons, nous avons réalisé une interview avec le docteur Réginald Boulos, qui sont spécialistes en santé communautaire, avec une APC et comprendre ensemble de politiques de prévention que le gouvernement a essayé d'entreprendre pour qu'il soit capable de faire prévention, comme on a dit pour la question du coronavirus. Là. Il semble que le docteur Boulos est prêt. Oui, alors? Allô? Ça ne va pas. Donc,
Et malheureusement, problème technique, problème de liaison. Donc nous disons dans Caramel, nous entreprenons ensemble des missions. Côté que nous invitons des professionnels de la santé pour qu'ils soient capables de porter point de vue scientifique là sur cette question. Ça. Et nous avons avec nous Dr. Guito Augustin, Dr. Kerline Augustin Moïse. Nous avons avec nous Dr. Kensky. Et tu as gagné donc l'autre médecin et qui même était venu à mettre reprise sous Caramel et pour que nous capables faire prévention. Et hier sur Radio Caramel, nous avons réalisé une interview avec les responsables du coup au niveau de la région sud du pays. Tu as gagné donc délégué départemental à la Saint-Chéry, tu as gagné et responsable protection civile là monsieur Silvera Guillaume, tu gagné et responsable ministère planification et ensuite directeur départemental ministère de la santé publique docteur Février. Donc c'est une émission que nous va gagner pour nous garder très prochainement sur télévision mais qui était faite en direct sur radio. Donc dans sens ça Caramel décrète la permanence parce que l'affaire de coronavirus c'est pas seulement et ça va concerner seulement autorité politique yo, c'est chaque monde à niveau parle qui gon contribution que capable porter et nous même dans Caramel nous motiver nous mobiliser plutôt toute équipe là pour que nous capable porter information ça pour amis et téléspectateurs nous yo pour internautes yo pour amis capitaine de radio Caramel pour que nous capable et moi t'a dit et fait travail de sensibilisation. Donc peut-être docteur Boulos est prêt. Donc parce que nous allons retourner. Oui docteur Boulos. Oui ça va. Vous entendez? Oui monsieur. Mm-hmm. Bon petit problème de liaison avec qualité internet là. Bien. Bon, oui alors. Bon, ça passe très mal. Et donc, je nous dis, on va suivre Télé Caramel et dans le cadre de différentes émissions spéciales que nous avons fait et dans le cadre de prévention que nous avons fait pour contre l'épidémie, ça, qui vient une pandémie parce que le grand aspect mondial, coronavirus, ça, nous qui tue un peu le monde en Europe, en particulier en Italie, en France, en Espagne. Et donc pays ça qui vraiment affecté par le virus là après qu'il ait fini ravager quelques pays comme en particulier la Chine côté que le sorti et actuellement là les États-Unis d'Amérique sévèrement frappé grand pile monde qui mourit et donc à travers ça donc n'a pas essayé garder nous même en Haïti en particulier dans radio télévision Caramel comment nous capable participer dans faire prévention et avec Mounio, et que ce soit Moun qui branche à travers le département sud-là, que ce soit Moun qui branche sur Internet, et que ce soit Moun captain de radio à tout, parce qu'on est radio à gain plus accessibilité, quel que soit côté que Mounio est dans un loi qui est beaucoup plus reculé autant de radio. Donc, nous faisons autant de sensibilisation pour nous faire Mounio comprendre que la question coronavirus, c'est un sujet qui est réel. Il est vrai que bon petit problème de crédibilité par rapport à Moun politique qui a porté ce message-là. Et qui affecte elle parce que n'a pas gardé gouvernement et fait un centre d'information permanente sur le coronavirus. Malheureusement, un grand ensemble de monde qui a défilé et qui pas nécessairement lié à ça. Par exemple, matin, nous avons gardé un responsable de loterie nationale qui a défilé. Donc, on se demande la question pour qui ça que obligé gagner différents monde dans différents ministères qui pas directement impliqués. Et la question coronavirus là qui oblige à venir parler. Donc je dis à la message là c'est les autorités sanitaires et les autorités politiques capotelles dans tout pays c'est comme ça stratégie à fait encore nous capable peut-être gagner de autorités au niveau du ministère de l'intérieur capoter parole là mais là vienne un amalgame dans question information ça ne fait que pas d'information du tout. Donc dès que gagne amalgame dans information donc pas d'information du tout et ça les pral beaucoup plus affecter information que renni et que moun capable recevoir et que gwen impact sur comportement que ta doit gagner. Donc dans sens ça autorité yo gen donc devoir pour que ressaisi yo
par rapport à la façon dont vous organisez la stratégie de communication, parce que jusqu'à présent, pas un véritable travail de sondage qui fait pour qu'on ait un véritable travail d'enquête pour qui fait pour qu'on ait et qui perception moun yo par rapport à coronavirus là. Donc ces médias qui a essayé faire du reportage et à travers le reportage ça ou bien donc feedback de qui Jean moun yo concevoir ça. Donc nous pensons que docteur Boulos est de retour, donc il a amélioré internet li, et nous allons continuer avec l'interview. Allô, entendez-moi? Oui, ça va? Oui, ça va, docteur Boulos? Entendez-moi? Avant interview à... Oui, moi là. Oui, c'est bien. Avant interview à Tekampéa, nous te dit que l'État haïtien, en particulier le gouvernement Sakla, et comme tous les gouvernements passés, il y a des gens dans le secteur privé. À chaque fois que vous parlez de Haïti, il y aurait la capitale de Port-au-Prince et il y aurait quelques chefs de département. Mais cependant, ça, un auteur qui est Gérard Batel Mirele, le pays en dehors, il n'y a pas jamais touché. Par rapport à la menace que la question coronavirus a gagné, est-ce que dans le secteur privé, dans la démarche qu'on a annoncé, son mari a fait dans Port-au-Prince avec Cap Haïtien, Kai et puis et Jacques Mel, mais les confins les plus reculés à travers le pays, il y a qui gens qui ont fait pour qu'ils soient capables de gagner accès, soit à ça que nous gagnons comme matériel de prévention, soit à ça que nous gagnons comme message de prévention. Oui, alors? Bon, 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 bon. En tant que Gérard Barthélémy, et qu'on parlait du pays en dehors, dans une déclaration que j'ai faite à 4 mois, j'ai dit le vrai pays en dehors, c'est Port-au-Prince. Parce que c'est Port-au-Prince qui ne comprend pas l'ESPIA, vrai pays. Vraiment dans le pays, c'est en dehors de Port-au-Prince. Donc, les gens qui sont en vivant dehors d'Haïti, ils vivent en dehors de réalité 90% sur Haïti. Ça, c'est opinion PAM. Deuxièmement, je parle de tiens action pitié. Je vais faire bruit sur lui. Si tu étais bien fait 4 presque 40 000 sanitaires, je ne vais pas distribuer tellement Port-au-Prince. Moi, il est tout contact que j'ai gagné. Et bon, c'est vrai, il y a tout contact que j'ai gagné avec MTV Haïti. Mais nous n'avons pas fait action ça sous aucune organisation politique. Et il y a deux exemples. Il y a un député qui est Myriam Amika, Saint-Michel. Nous avons fait un peu de temps pour que nous télécharger un ballon support de Saint-Michel de la Talaye et de remettre une belle quantité de sanitaires pour Saint-Michel de la Talaye. Nous avons des anciens sénateurs ou l'autre parti politique, que ce soit Unité, que ce soit Famille Lavanas, qui m'a aidé nous, support, nous aider. Fondation Régionale Boulos, même si c'est même monde qui soutient MTV à Fondation, là c'est Fondation qui a agi par les couleurs politiques. Troisième bagaille, Nabdi, c'est que l'un nous fait don pour Dr. Pape. Nous insistons pour que dans le projet Sahatou, il y ait une ampliation, une dissémination de capacités techniques ministères pour que nous capables de bailler sur le point de santé des salariés et pour respecter les pays. Donc, moi, je crois que la réalité de ce dia, il y a un problème fondamental là. C'est que ce n'est pas au secteur privé de décider qui côté aide la braler. C'est vraiment au ministère de la Santé. Maintenant, si le ministère de la Santé dit secteur privé, il a besoin de 500 millions de dollars et l'ouvriqueur, l'ouvri-boussier pour porter 500 000 dollars pour aller soit l'hôpital ou soit le centre de santé qui viendra en dehors des cas. L'autorité politique qui doit décider de qui côté coupe la braille, qui descend, qui s'en a fait avec, c'est l'État ici. Où État il définit la braille? L'autorité, le territoire et une population. Et ces trois ça sont ensemble pour nous mettre ensemble avec eux pour nous avancer la vie. D'accord à voir.
bandit. Et propagande que m'a fait. C'est une campagne m'a fait. C'est pour que ça, c'est pas fort au prince regarder, parce que c'est pas fort au prince pour regarder. Ça, okay. C'est côté. Mm-hmm. Voilà. Ok. Quand même. Et moi, souhaiter que si il y a si il y a République africaine, en mettant ça, j'ai qui pour porter. Bon, malheureusement, Internet là et peut-être pour le fait que nous mettez fin à l'interview. On dit là dans la. Donc, Dr. Boulos, nous vous remercions parce que Internet là, on dit, ah ben, petit problème, bon côté pas. Quand même, nous pensons l'essentiel du message là. À plus de 80% passé et les amis autant de points de vue par là, c'est que pour vous-même et vous souhaitez que nous gagnions en termes de stratégie que l'État a supposé redéfinir, gagne donc un comité qui est intersectoriel, qui est capable de monter pour montrer que c'est tout le monde qui est impliqué dans la question coronavirus là et où tu as supposé gagner donc un sous-comité scientifique qui a fait des propositions à structure ça. Et qui pourrait faire que pour la suite nous appliquer. Donc, proposition pour là, on dit que c'est à supposer gagner donc un dépistage systématique et ensuite le port de masque comme ça, ça serait capable d'empêcher à ce que et propagation et coronavirus la fait à travers le pays. Donc, dans ce sens, Dr. Boulos, nous remercions et de disponibilité. Et nous pensons prochaine fois, nous sommes capables de parler encore sur Radio Télévision Caramel. Allô? Donc voilà, donc comme nous avons suivi, amis téléspectateurs, c'était avec nous Dr. Reginald Boulos que nous avons réalisé donc une interview côté nous avons essayé de parler de questions coronavirus. Donc je dis à nous plus à parler avec responsable là ou bien encore plutôt et spécialiste en santé publique là, avec l'INDAPC, garder différentes propositions que lui-même lui essayait de faire pour que nous soyons capables d'empêcher la propagation du coronavirus à travers tout le pays. Donc, je dis, dans le contexte que nous arrivons là, tout le monde est obligé de mettre différents regains sur le plan politique de côté pour nous voir comment nous sommes capables de faire une véritable convergence en matière de compétences, en matière de bonne volonté, en matière de savoir-faire et pour nous capables d'arriver à contrer et propagation coronavirus en Haïti. Grand pile de monde qui remettait en doute et parole au gouvernement, chiffre que le gouvernement a avancé en ce qui a trait à 16 cas connus de corona à travers le pays. Donc surtout l'on connaît Haïti, c'est un pays qui était connecté avec les États-Unis d'Amérique qui grand pile cas de coronavirus parce que grand pile ressortissants haïtiens qui vivent aux États-Unis. République dominicaine, côté nombre a augmenté chaque jour. Nous avons entré sorti ici en République dominicaine parce que nous avons écrasé totalement production et PIA. Qu'on y a le peu que nous avons besoin en République dominicaine, fait que Haïti est obligé à l'acheter produits alimentaires, à l'acheter des matériaux de construction en République dominicaine. Donc, entre sorti entre Haïti avec République dominicaine, non, son bagage qui est capable. Il y a un élément qui peut contribuer à la propagation du virus lui-même en Haïti. Donc, le coronavirus est son bagage mondial, qui a ravagé le monde, l'Europe à genoux, l'Amérique, je dis, l'a abattu. Donc, il faut nous connaître nous-mêmes en Haïti, qui est ce qu'on a fait pour nous être capables de gérer la question de la propagation du coronavirus. Donc, et moi remercie tout le monde qui t'a regardé nous sur internet là, moi remercie tout le monde qui t'a regardé nous à travers la ville de Kay et moi remercie tout le monde qui t'a tendu nous sur Radio Caramel. Remerciement spécial à l'équipe technique là et Davidson en particulier qui t'est mobilisé pour que nous t'es capable de réaliser l'interview ça et nous espérons retrouver nous très prochainement sur Télé Caramel. Jean Zo, très bientôt nous allons pour nous garder une interview que nous t'ai fait avec autorité au niveau du département sud là qui pral di nou ki sa ki gen en termes de mesures et pour les structures qui déjà préparées, en particulier sanatorium qui t'a supposé recevoir moun dans le département sud là. Autorité yo parle tout de fonds qui sont disponibles et yo parle de apport que ONG a apporté et pour que nous capable couper coronavirus là
et au niveau de la ville de Kay en particulier, disons mieux, et département Sud-là de façon générale. Donc merci à nous tous. Au revoir et à bientôt. Restez branchés, Caramel.